Bonsoir, bonsoir Luc Dardenne. Bonsoir. Merci infiniment de nous faire l'honneur de nous rendre visite à la station Ozone de la librairie Mola. Bonsoir au public aussi qui nous a fait l'amitié de venir vous écouter. Bonsoir. Nous sommes évidemment très honorés de vous recevoir, non pour parler de vos films, quoique il va forcément en être question, mais surtout pour échanger à propos de la publication du troisième tome de votre journal intitulé « Au dos de nos images ». Quel beau titre, paru au Seuil et couvrant les années 2014-2022. Votre premier tome démarré, on en reparlera, en 1991. Ça fait donc plus de 30 ans que vous tenez ce journal. Ce journal, ce tome qui, comme à l'accoutumée, est suivi de la publication des scénarios, des films qui correspondent à cette période. Le Silence de Lorna, La fille inconnue, Le jeune Ahmed et le tout dernier, Tori et Lokita. Impossible de ne pas rappeler qu'avec votre frère aîné, Jean-Pierre, vous figurez parmi les très rares cinéastes à avoir obtenu deux palmes d'or au Festival de Cannes, aux côtés de quelques autres, dont Francis Ford Coppola ou Ken Loach. Première palme d'or à Cannes pour Rosetta en 1999 et nouvelle palme d'or en 2005 pour L'Enfant. Mais aussi prix du scénario en 2008 pour Le Silence de Lorna, grand prix du festival pour Le Gamin au vélo en 2011, prix de la mise en scène en 2019 pour Le jeune Ahmed, et enfin le prix du 75e festival de Cannes pour Tori et Lokita l'an dernier. Sans parler de la vingtaine d'autres prix obtenus en France, en Belgique, à la Mostra de Venise, qui font de vous les frères, comme on dit, hein, les frères, les cinéastes parmi les plus primés du cinéma mondial. Pourtant, tout ne s'est pas fait comme une évidence. Votre second long métrage, Je pensais à vous, a été un échec. Et c'est à peu près à ce moment-là que vous avez commencé votre journal. Vous le tenez, je viens de le dire, depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'est pour vous, ce journal? À un moment, vous dites, c'est un journal de travail. Oui. C'était d'abord une manière de comprendre pourquoi on avait fait un mauvais film. Mauvais de notre point de vue, mauvais du point de vue de la critique et du public aussi, qui n'est pas venu et qui a eu raison. Alors, c'était pas mauvais pour les acteurs, ils étaient très bien. Mais ça, c'est, on les a mal dirigés. Alors, c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? La création n'est pas obligatoire, même si on le désire, mais bon, voilà. Et c'est ça, je me suis mis à réfléchir à pourquoi on avait échoué. Et c'est là que l'échec est une bonne expérience, peut être une bonne expérience, pour essayer de comprendre ce qu'on est, ce qu'on cherche, pourquoi, comment, voilà. Et ça a été d'abord ça. Et puis, ensuite, je rencontre Maurice Hollander, qui malheureusement est décédé il y a peu, le directeur de la collection au Seuil, la librairie du 21e siècle. Et Maurice me dit, c'était un soir après la projection du film de Mathieu Amalric, Le Stade de Wimbledon, adapté de l'écrivain italien. Et il me dit, est-ce que vous avez déjà écrit des choses? Et j'ai dit, oui, j'ai écrit quelques notes après l'échec de notre film. Et il dit, ça m'intéresse. Et je lui ai envoyé 30 pages et voilà, il m'a dit, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je pense que je continue à écrire à ce moment-là, mais je pense que ça m'a remotivé aussi pour poursuivre. Ça m'a... Et alors, je dirais qu'aujourd'hui, le journal, il est un peu... C'est surtout mon frère qui dit, dans le journal, tu as dit ça, parce que parfois je reprends je condense des échanges que j'ai avec lui. Et dit, tu as dit ça, là, tu as parlé de ça, mais pourquoi on repartirait pas de ça pour notre film? Donc c'est devenu un peu une espèce de mémoire qui nous permet de penser bête, un peu énorme, enfin, bon, qui nous permet de repartir parfois dans de nouveaux scénarios, voilà, c'est étrange, mais c'est devenu ça aujourd'hui. Et vous dites à un moment, finalement, c'est cette manière que j'ai trouvée pour faire des films à deux. Oui. Du fait
de la consommation, si je puis dire, du journal par votre frère. Voilà. Donc c'est avant tout un lieu d'échange, finalement. Un lieu d'échange, oui, et de... Ben, pour l'instant, là, avant là, je pense qu'on est reparti sur un nouveau scénario, mais quand on a discuté, on a reparlé de certaines choses, notamment ici. Parce qu'avant de le publier, je le fais toujours lire par mon frère. Et alors, dans ce journal, on trouve des, évidemment des échanges, des réflexions qui dit toute la difficulté du travail de création. Donc les doutes, les tâtonnements, les pas en avant, les fausses bonnes idées. Donc tout ça est absolument fascinant parce que, évidemment, le travail de création est un travail âpre où il faut de l'obstination, il faut du calme, il faut de la confiance. Et parfois, même quand on s'appelle Jean-Pierre et Luc Dardenne, eh bien, on se retrouve en plein flou et on a besoin de faire un pas en arrière pour retrouver un élan. Donc tout ça est très fort. Parfois, vous laissez aussi traîner, si j'ai envie de dire, dans ce journal, un poème, une nouvelle. Et alors là, il y en a une dans ce tome-là que je conseille à tout le monde de lire. L'histoire d'un homme qui est en lutte avec son âge. Ça fait une page et demie. Et alors, vous avez un talent de novelliste absolument incroyable. Vous faites exister le personnage et ses tourments en quelques lignes. C'est absolument incroyable. Parfois, c'est une petite analyse, je dis petite, mais qui, je pense, pourrait faire pâlir nombre de critiques éminents de cinéma. Vous avez une analyse psychanalytique des oiseaux d'Hitchcock, très personnelle et très, très belle, hein, avec cette vision des oiseaux qui viennent cisailler, finalement, ce qui retient les vivants à Thanatos, à la mort. C'est très, très beau à lire. Donc tout cela, on peut l'imaginer, vient nourrir votre réflexion commune. Vous y laissez une trace parce que ça pourrait servir. Et puis, à de rares moments, il y a des choses beaucoup plus intimes que vous évoquez toujours avec une extrême pudeur. Par exemple, la maladie et le décès de votre mère. Pourquoi ces deux notes-là dans le journal? Est-ce qu'il y a d'autres notes que vous avez ôtées avant parution ou est-ce que ces deux notes-là, quelque part, évidemment, sont quelque chose de très fort pour les deux fils que vous êtes, mais aussi quelque chose qui alimente votre création? Oui, je pense que oui. Enfin, bon, voilà, perdre sa mère, bon, c'est tout le monde, si je puis dire, tous les fils et toutes les filles vivent ça normalement si la chronologie est respectée, parce que parfois malheureusement elle ne l'est pas et les enfants meurent avant les parents. Mais ici, pour nous, enfin moi, la figure de la mère dans notre cinéma, c'est quelque chose qui compte beaucoup, et je pense que notre mère a été quelqu'un. Elle était drôle, très vivante. Elle chantait des opérettes dans le village. C'était en français ou dans le dialecte wallon. Et elle chantait devant nous. C'est un peu notre première actrice, si je puis dire, comme je le dis à un moment donné. Et elle a beaucoup compté. Et ce qui a compté aussi, c'est que jusqu'au bout, elle a voulu sourire. Elle a voulu rire. Elle a voulu chanter. Alors que... Bon, ça n'allait plus du tout, et voilà. C'est je garde, enfin, mon frère aussi, une image d'une femme très vivante et sans doute avec plus d'humour que mon frère et moi quand on fait des films. Mais on essaye de s'en souvenir en tous les cas quand on sent qu'on s'enfonce dans quelque chose d'un peu noir. Mais pour nous, oui, c'est un personnage. Bon, peut-être c'est elle qui nous a soudés aussi, parce qu'on avait deux sœurs avec qui nous sommes toujours bien entendu encore aujourd'hui, et la famille, ma mère aussi avec elle. Mais disons que comme figure féminine, elle a sans doute compté plus en avançant dans l'âge que mes deux sœurs, avec qui, bon, la plus jeune était vraiment ma compagne de vie. Je dirais jusqu'à 14-15 ans, parce qu'elle joue au football avec moi. C'est un, à l'époque, on disait un garçon manqué. Ouais. C'est une manière de parler de cette époque des années 60, début, oui, fin des années 60.
Mais notre mère, oui, je pense qu'elle nourrit notre cinéma et c'est. Et puis bon, voilà, c'est pas la première personne que j'accompagnais dans la mort, mais quand même, c'est voilà, c'était important quand même. C'est une rupture quand même pour, je crois, pour tous les êtres humains. Dans une autre note, vous interrogez ce qui arrive rarement, en tout cas à l'écrit. L'alchimie particulière qui vous unit à votre frère, parce qu'il faut quand même une relation très forte, très puissante pour avoir tous les deux, ressentir tous les deux les mêmes nécessités d'artiste et avoir envie de faire les mêmes films. Comme vous le dites très bien, un cinéaste, un artiste, il n'est pas au restaurant en train de se dire « Tiens, quel plat je vais choisir ?» Tout part d'une nécessité profonde. Et vous dites, bah, finalement, il y a sans doute eu une vie commune, il y a eu une quelque chose qui nous a unis, oui. Sans doute dans l'enfance, sans doute dans la relation à votre mère, crois-je comprendre, qui vous a donné cette force-là commune de faire des films ensemble. Oui, c'est toujours dangereux de faire sa propre analyse comme ça. Mais je crois que oui, je crois que si on n'est pas frère, c'est difficile de travailler à deux, parce que il y a toujours la rivalité entre frères aussi, évidemment, entre frères aussi, mais à un moment donné, nous, on a dépassé ça. On dit, bon, ben voilà, mon idée, la proposition que j'ai faite est moins bonne que celle que mon frère a faite, mais je l'accepte. Et inversement, ou bien on fait les deux, on ne sait pas, on n'est pas sûr, on va quand même tourner les deux plans, on va quand même, bon, enlever le dialogue ou le rajouter, on verra bien. Bon. Mais je pense qu'on arrive à cela parce qu'on a effectivement la même enfance. Une enfance commune, pas une enfance identique, mais commune. Voilà, je pense que oui, parce que... Et si dans cette enfance-là, il y a vraiment des ruptures très fortes, je pense qu'on ne travaille pas ensemble. On s'apprécie peut-être entre frères et sœurs, mais on ne peut pas travailler ensemble. Il faut qu'il y ait eu... Bon, et je pense que chez nous aussi, il y avait une résistance commune à notre père, qui était un homme autoritaire, comme cette époque a produit, hein, des hommes autoritaires sur deux... ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat, qui était bon dans toute sa splendeur, si je puis dire, et toute son erreur aussi, mais enfin aussi c'était quelque chose qui n'était pas remis en question, et c'était l'ordre, et on s'est opposé à cet ordre violemment à mon frère et moi, et ça aussi ça nous a soudés. Donc on sent qu'il y a une soudure très forte, et puis alors effectivement vous dites on est au-delà de la rivalité, et alors c'est pas tant à vous lire, parce que il vous arrive parfois sur un scénario difficile de travailler toute la nuit, d'envoyer à votre frère, et puis le lendemain vous écrivez très tranquillement, a-t-on l'impression, mais je ne pense pas que vous soyez homme à maquiller votre plume, ben non, il trouve pas ça bien, donc il va falloir s'y remettre. C'est ça quand même l'alchimie entre les deux. Hein, donc il y a des moments de solitude quand même. Ah oui, même. Ça, la solitude reste. On peut travailler à deux, la solitude reste. Et l'angoisse, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que l'actrice a dit ça, est-ce qu'il faut pas qu'elle le dise autrement. Bon, ça reste. Pendant l'écriture du scénario, évidemment, parce que j'écris seul, en fait. Oui. On fait la structure à deux, puis j'écris. Et je lui envoie quand c'est terminé, quand j'ai une première version. Mais au tournage, on est deux, devant l'écran, ce qu'on appelle le combo, qui est relié à la caméra. Et bon, il n'y a rien à faire. Même on est assis l'un côté de l'autre, on est seul. On se regarde pour voir, bon, qu'est-ce que t'en penses? Et puis parfois, on ne dit rien. Il nous faut un peu de temps pour dire oui, ça va, ça non, on peut faire, il faudrait peut-être faire ça. L'un des deux parle, et bon, souvent on est d'accord, c'est très rare qu'on ne soit pas d'accord. Oui, c'est ça, mais à aucun moment l'un cherche à l'emporter sur l'autre. En fait, en réalité, on a l'impression que votre intelligence collective vous amène à vous dire que si mon frère ne trouve pas ça bien, et inversement pour votre frère, c'est que c'est pas la bonne direction, et en même temps, des choses reviennent. Et moi, je fais des surprises aussi à l'écriture. Ça, je dis, bon, on verra bien ce qu'il y a. J'en suis pas sûr. Non, mais j'en suis pas sûr moi-même. Mais j'ai une autre solution, ou deux même. Ah, voilà. Mais vous êtes un peu filou alors, quand même. Je dis, on va voir ce qu'il va dire. Non, mais et puis je me dis, bon, je sais peut-être un peu idiot ce que j'ai écrit là. On verra dans 6 mois, dans 1 mois, 2 mois, quand j'aurai fini la première version. Mais je le laisse dedans.
Et parfois, il dit, ah, par exemple, je me souviens, l'enfant, le film L'Enfant, j'avais fait chanter le beau Danube bleu, que chantait notre mère d'ailleurs. Le beau Danube bleu, que Kubrick a mis hein, dans son film, enfin, vous vous souvenez, il n'y a pas que Kubrick qui l'a utilisé, il y en a beaucoup d'autres. Mais, et je me dis, bon, c'est peut-être idiot, parce que j'avais imaginé que, avec le mouvement de cette valse, il y avait, elle l'avait mordu, je crois, par le bras. Elle faisait balancer le bras de Jérémy, qui était entre le bras droit, parce qu'il conduisait avec la main gauche. Et je me dis, c'est peut-être bon. Et mon frère a dit, ah, mais c'est super. Donc voilà, c'est bien ça. Ben, je dis, ben oui, j'hésitais, mais voilà. Donc, et s'il n'y avait pas ça, j'avais autre chose. Et alors, de temps en temps, est-ce que vous n'avez pas envie de lui dire, donc. Après une nuit d'insomnie, vous avez sué sur votre copie. Je lui dis écoute, pas ça. Écoute, mon coco, si tu as une meilleure idée, écris-la, toi. Mais parce que non, c'est vous qui. Il n'aime pas écrire. Il est un peu comme Alain René. Il n'écrit pas. Il n'écrit pas. Il veut pas écrire de scénario. Ça le bloque. D'accord. Ça le bloque. D'accord. Il lit beaucoup de romans. Oui. Mais il veut pas écrire. Donc voilà. Non, ça je lui dis pas. Bon, ben écris-le. Non. Mais parfois il me dit quelque chose. Il me dit, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Et je lui dis, ah, tiens. Et hop, ça me fait penser à autre chose. Parce que quand on écrit un scénario, une première version. Je dirais, enfin maintenant j'écris à l'ordinateur, c'est un peu différent. J'ai tout sur des petits papiers, mais avant j'avais plusieurs cahiers, scénario version 1, déjà version 1A, 1B, 1C. Bon, et donc je mets déjà beaucoup de choses différentes. Ouais. Donc si il me disait, tiens là, ah, je dis attends, j'ai pensé un truc justement, ou bien bon, encore une nouvelle chose à laquelle il me faisait penser en faisant sa critique. Donc voilà, ça c'est. C'est un ascétisme pour vous, l'écriture, c'est un rythme, c'est quand même. Ouais. Mais je remarque que le matin, je pars. Bon, c'est pas très, très. Je suis matinal, mais c'est plutôt vers 4h de l'après-midi, 5h que les choses arrivent. Mais il a fallu le temps d'avant, qui est un temps d'attente finalement. Mais il faut que je sois un peu, oui, voilà. Il me semble que, et puis le soir aussi. Dès les premières notes de votre premier journal en 1991. Vous avez déjà posé quelque part ce que doit être votre cinéma pour vous, cette nécessité là de quelque chose débarrassé de toute affaîtrie. Souvent, un artiste va vers la simplification. Alors, vous avez une quarantaine d'années au moment où vous commencez le journal, vous avez des années de théâtre et puis deux films déjà derrière vous, dont cette mauvaise expérience avec Je pense à vous. Donc vous n'en êtes pas au tout début quand même. Mais enfin, votre carrière, en tout cas pour le grand public, elle commence à peu près à ce moment-là. Mais tout, chez vous, tout est installé là déjà. Comment les choses sont apparues avec cette évidence-là pour vous et votre frère? Je pense que c'est cet échec du film de Je pense à vous qui nous a fait réfléchir. Nos documentaires étaient quand même loin de ce qu'on a fait, de la promesse. Moi, je dirais que on a voulu, et ça, c'était notre obsession. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on a voulu rapprocher les corps des acteurs, des actrices, de nous. D'enlever les médiations. D'enlever les éléments d'écriture qui appartiennent au cinéma, à sa mécanique, évidemment. Hein et de dire, le corps du caméraman sera en contact avec le corps des acteurs, et entre deux, entre trois ou quatre, il y aura la caméra qui essaiera de filmer les vibrations des corps. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais en tous les cas, il nous semblait que quand on filmait avec la machinerie cinéma, il semblait qu'on démontrait, qu'on spectacularisait. Et le cinéma, c'est aussi du spectacle, mais nos films ne sont pas très spectaculaires. Donc, j'aime beaucoup aussi le cinéma spectaculaire. Le problème, il n'est pas là. C'est pas d'aimer ou pas aimer. C'est de sentir ce qui vous correspond. Et vous dites, ben voilà, un écrivain écrit avec plutôt tel mot que tel mot, ben un cinéaste avec tel plan plutôt que tel plan. Et le fait de ne pas vouloir couper nos plans, de faire des longs plans séquences, et de revenir sur les visages, sur les mains, sur les torses. Bon. Tout ça, c'est venu en travaillant aussi.
Mais oui, on a vraiment l'impression qu'il y a une forme de quadrature chez vous, si je puis dire. Celle du cadre, mais celle du cadre appelle le corps. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dialogue entre le cadre, l'image et le corps. On ne sait pas d'ailleurs si c'est le cadre qui va dicter le mouvement du corps ou si c'est plutôt aussi le corps qui va dicter le cadre. C'est ce que j'espère toujours. Voilà. Et puis, il y a aussi chez vous le mot de rythme qui revient très souvent et de mouvement. Finalement, vous dites notre cinéma n'est pas très spectaculaire. Alors, si vous me permettez une petite anecdote, il vous est arrivé de discuter, je le sais, avec John Woo, grand spécialiste du cinéma d'action, lors d'une soirée à Cannes, et vous avez eu une discussion passionnante, m'aviez-vous avoué un jour, avec John Woo, qui voulait absolument savoir comment s'était organisée la poursuite à mobylette dans l'enfant. La scène de... Voilà. C'est évidemment très drôle, parce que quand on pense au cinéma de John Woo, on n'est évidemment pas dans votre univers. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant là, parce que vous dites notre cinéma n'est pas très spectaculaire, mais quelque part, c'est quand même une forme de cinéma d'action au sens où, justement, ces corps sont en mouvement, très souvent, et quelque part, est-ce que vous pourriez dire qu'ils se heurtent au cadre parce qu'il faut qu'ils le fassent quand même, il faut qu'ils explosent quelque part. Tous nos personnages, mais ça, c'est pas préconçu. C'est bon avec l'âge, le nombre de films aussi, même si c'est pas 12 films de fiction, mais ils sortent, ils veulent sortir, ils étouffent. Ils veulent sortir. Ça, c'est nos personnages sont comme ça, et donc forcément, la course à part le jeune Ahmed. Parce que c'était le jeune fanatique islamiste, ça c'était difficile. Et je m'en suis mordu les doigts parce que j'arrivais pas à sortir, justement, à le faire sortir. Parce que ça, on va en reparler. Oui, voilà, ouais. On va reparler. Donc ouais. J'arrête. Parce qu'il y va d'une libération quand même quelque part. Mais voilà, oui, quand même. Ouais, hein, mais c'était difficile à trouver. Ouais. Mais nos personnages, oui, ils sont prisonniers, ils sont enfermés, situation sociale, situation. Psychosocial, enfin appelons-la comme on veut, situation liée à l'économie, aux besoins, et ils veulent, ou par exemple pour le gamin au vélo, il est enfermé dans une sorte de violence d'un enfant abandonné et qui n'arrive pas à faire confiance à quiconque, et donc on dit comment le sortir de là, comment le sortir. Et quand on part de faits divers dans nos films, si je prends le gamin au vélo, justement, donc qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est déposé à l'orphelinat au centre de placement, dit-on aujourd'hui, d'enfants dont les parents sont déchus pour X raisons, et le père n'a plus le temps de s'en occuper, je dirais, c'est aussi simple que ça, il dit que voir son fils, ça le stresse. Et ce gamin... l'histoire de ce gamin vient d'une histoire qu'on nous a racontée au Japon, un fait divers, d'une juge, parce que notre film Le Fils avait servi un peu à la campagne pour l'abolition de la peine de mort au Japon, qui était menée par les sociaux-démocrates japonais. Et notre film est passé dans plusieurs manifestations, dont une où il y avait une juge pour enfants qui nous a raconté une histoire d'un gamin déposé par son père. Et puis qui rencontre une fois qu'il à l'orphelinat, puis il veut s'échapper de l'orphelinat, il n'y arrive pas. Et quand il a 18 ans, il va dans une bande, il rejoint une bande de rue, et il veut briller évidemment devant le chef, c'est-à-dire un père de substitution. Il veut briller devant le chef, et ce qu'il commet exactement, je ne le sais pas, mais en tous les cas, quelque chose de grave, puisqu'il va en prison. Et. On s'est dit, ben voilà un fait divers intéressant pour nous. Et comment libérer, comment faire sortir un enfant, qu'il soit japonais ou français ou belge, de cette situation, de cet enfermement. Et c'est là qu'on a imaginé le personnage de Samantha. Et c'est là que nous prenons le plus de plaisir, si vous voulez, à inventer le personnage qui va pouvoir tordre le fait divers et l'amener vers une libération, vers un... la découverte de quelque chose qui vous fait du bien, de quelque chose qui est du côté du bonheur, en tous les cas du côté de la vie et pas du côté de la mort.
Alors ça, c'est une question qui vous a beaucoup, beaucoup obsédé au moment du jeune Ahmed, hein, puisque vous le dites hein, à plusieurs reprises dans le journal, vous n'arrivez pas à le ramener vers la vie. Et pour vous, c'est un échec. Pendant tout le temps de la construction du scénario, il y a beaucoup de tâtonnements, beaucoup de déceptions, d'impasses, parce que vous n'arrivez pas à trouver le moyen de le rendre, de le ramener du côté de la vie. Ouais. Ça, c'est très, très fort dans votre cinéma. À un moment, il faut qu'il y ait une libération, une espérance, un signe qui fasse que il y a peut-être une guérison. Mais c'est la guérison de qui? Des frères Dardenne, des spectateurs, de leur personnage? Non, du personnage qu'on vit comme étant une personne, presque. C'est pour ça que le faire mourir, c'est toujours, on l'a fait dans le dernier film, on fait mourir une des protagonistes. Mais c'est difficile pour nous de faire mourir un personnage, parce qu'on le fait passer par tellement d'endroits, tellement de souffrances, tellement de choses qui sont très dures pour lui, qu'on se dit tout ça pour ça. Non, il faut quand même qu'on trouve une solution pour qu'il arrive à vivre. Et que le spectateur qui suit ça, avec angoisse, enfin en tous les cas avec une attente, parce que il y a du suspense, donc il attend, mais qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi, comment, ben, ah bon, pourvu que, etc. Toutes les modalités de l'attente, on se dit non, il faut trouver quelque chose, il faut qu'il soit plus fort que la réalité, si je puis dire, même si dans la réalité les choses se passent autrement, mais plus fort que dans la réalité, mais tout en n'étant pas angélique non plus, tout en n'étant pas facile, parce que ça, évidemment, c'est facile, si je puis dire. Alors, et bien sûr, alors plus fort que la réalité, et en même temps, vous le dites vous-même, vous acceptez le terme, vous êtes dans ce qu'on appelle du cinéma réaliste, mais il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers une forme de libération, quand même. Ouais. D'où ça vous vient, ça, au frère? Moi, je n'en sais rien. Ça, c'est une fameuse question que même un psychanalyste tairait. Je n'en sais rien d'où ça nous vient. Je pense que c'est le fait. Enfin, il me semble, moi, que quand je pense à un personnage et mon frère, bon, je lui laisse la liberté de dire, parce que peut-être il dirait pas la même chose, mais en tous les cas, moi. Quand je pense à un personnage qui devient une personne, je vis avec, je rêve, je j'arrête pas d'y penser, pas nécessairement à l'acteur ou à l'actrice, mais même s'il n'a pas vraiment un visage précis, si je peux pas le reconnaître à son visage, je suis quand même avec lui et je souffre avec lui et j'essaye de trouver ce qui permettrait de le faire sortir de cet état-là. Et je viens de lire un roman que vous connaissez peut-être, qui s'appelle un roman de George Carroll Oates, qui s'appelle La fille du fossoyeur, avec Rebecca. Magnifique. Et quand j'ai lu ce roman, je me suis dit, parce qu'à un moment donné, je vais pas vous raconter, parce que si vous l'avez pas lu, mais à un moment donné, vous comprendrez pourquoi, si vous le lisez, vous êtes tout le temps en tension, parce que vous dites, mais pourvu que... Elle y arrive, même si et je dis c'est magnifique. Je trouvais ça magnifique qu'elle ait réussi à lui permettre d'échapper à quelqu'un, à un destin aussi. Ah, voilà, on y est. Le mot destin qui revient très très souvent. Alors avant de cette rencontre, j'ai bien sûr lu ce troisième tome avec beaucoup d'intérêt. J'ai aussi relu les premiers tomes. Le mot destin, il revient très très souvent. Oui. Vous dites, il faut que l'œuvre d'art échappe à son destin. Il y a quelque chose, une forme d'obsession. Il y a deux obsessions chez vous, je dirais, au moins deux, dont ce tome de journal témoigne. Moi, ça fait quatre. C'est la question du destin, et c'est la question quand même qu'on vient un peu de laisser de côté là, mais de sauver, la nécessité de sauver et de guérir quand même, qu'on retrouve aussi chez la fille inconnue. Mais revenons à cette question du destin. Pourquoi c'est si important? Moi, il y a un philosophe qui m'a impressionné, dont j'ai suivi certains cours, c'est Emmanuel Lévinas.
Et quand je le rencontre, j'ai 29 ans, je pense, 30 ans, c'est une révélation pour moi, philosophiquement, mais aussi, je dirais, humainement. Il définit la situation, ce qu'il appelle la situation éthique, comme la situation où l'autre, autrui, l'autre personne, vous oblige à le sauver. Et vous oblige aussi, enfin vous oblige, vous appelle à le sauver et vous oblige à ne pas le tuer, à ne pas le laisser mourir. Évidemment, ça renvoie à la situation dans laquelle se sont trouvés les Juifs dans l'Europe, dans les années 30 et après. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai cessé de réfléchir, de lire. Et je pense que c'est lié à ça, pour moi. Mon frère dira peut-être autre chose, mais moi, c'est ça qui m'a attiré vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas vraiment conscient ce que on a fait là. Mais mon frère a fonctionné aussi. Je veux dire, quand on raconte, on fait la promesse. Le film La Promesse, c'est l'histoire d'un gamin qui va vouloir sauver une femme. Il va laisser mourir le père, le mari, donc le père du bébé, là, du petit, mais il va laisser. Enfin, il va laisser mourir. Il va accepter que son père laisse mourir. Mais accepter difficilement, mais il va accepter quand même. L'autorité du père est là. Il aime son père, si je puis dire. Son père l'aime beaucoup aussi, à sa façon. Et ce gamin, doucement, va trahir son père, ce qui est très difficile, de trahir son père. Et surtout quand on est si jeune, 14 ans, et prendre le parti de cette femme qui ignore que le mari est mort, qu'ils l'ont laissé mourir pour ne pas avoir d'ennui en tant que employeur de travailleurs clandestins. Et donc, ça, pour moi, c'est... Je ne dis pas que je traduis la pensée de Lévinas, c'est pas ça. Mais j'ai retrouvé l'obsession de Lévinas, et, qui était devenue la mienne aussi, et mon frère aussi. Et donc, moi, je dirais que ce philosophe, écrivain, parce qu'il écrit magnifiquement, il y a des philosophes qui ne sont pas vraiment écrivains, et lui, il l'est. Et voilà, ça m'a. Je pense que ça a été pour moi le moment clé dans ma vie pour voir ce qui importait, ce qui n'importait pas. Et pour cette éthique philosophique de Lévinas, cette responsabilité absolue que l'on doit à autrui, passe beaucoup par une réflexion aussi sur le visage, le visage d'autrui. Le visage, le corps, qui est très présent, qui est peut-être l'élément qui vous importe le plus dans vos films. Oui, ça, je ne dirais pas que c'est lié à Lévinas, parce que, mais là, oui, effectivement. Mais il y a une cohérence. Oui, il y a une cohérence, mais si vous voulez, je pense que nous, on est plutôt des chorégraphes, en fait, avec notre caméra. On essaie de voir, il court par là, il tombe, il se relève. Tomber, ça veut dire quoi? S'évanouir. Ou glisser, tomber à genoux, tout ça, c'est des choses, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce concret-là qui nous intéresse. Évidemment, lié à des accessoires, lié à un plancher, à une terre, à un sol, à des matières. Mais quand même, c'est le corps dans le cadre. Et par exemple, si on pense à un personnage, vous avez parlé de l'enfant. L'enfant, c'est un garçon qui a 18 ans et, comme on le dit, il a mis enceinte une fille, comme on dit un peu vulgairement. Cette fille, elle veut son enfant et lui, il s'en fout. Et au point qu'il pense même le vendre, puisque ça paraît fou, mais ça existe malheureusement. Et ça correspond aussi à une réalité. Il y a des gens qui, en France, en Italie, en Belgique, et qui ne sont pas liés à une pauvreté comme on peut penser certaines jeunes femmes au Brésil qui sont dans des réseaux, qui sont très pauvres, vantent l'enfant pour survivre, etc. C'est pas une question de survie, c'est une question plus de cynisme ou bien de le fait que le rapport à l'enfant n'est plus, il y a quelque chose qui s'est cassé, qu'on peut le considérer comme un objet, comme un autre. Et donc, quand on pense à ça, on se dit, mais en fait, le personnage, donc Bruno, c'est quelqu'un qui,
qui ne sent pas le poids des choses. Parce que quand on a un enfant, normalement, on se sent responsable. S'il y a quelqu'un dont on se sent responsable, c'est bien de son enfant. Même si ça va mal dans un couple, même si on a des propres problèmes, des problèmes très personnels, il y a quand même cet enfant qui crie, il faut le nourrir. Enfin, on reste quand même, on se sent attaché, vraiment. Et même les envies de disparaître, de foutre le camp ou de se suicider, etc., tant qu'elles ne sont pas devenues obsessionnelles, c'est des choses qu'on oublie aussi, parce que l'enfant est là, et dit, il veut qu'on s'occupe de lui. Et donc, on s'est dit, ben, comment montrer ce Jérémy, donc l'acteur, c'est Jérémy Renier, comment ce Bruno, comment montrer que il est dans une sorte d'apesanteur sur Terre, mais dans alors voilà. Et donc il va devoir porter le corps de Sonia, c'est sa copine, pour sentir, même s'il ne le sent pas lui encore. Mais enfin, nous, spectateurs, on voit qu'il le porte. Et voilà, l'amener à sentir qu'un corps, c'est un poids. C'est une vie, évidemment, ça a faim, ça a soif, ça demande à vivre, ça demande à grandir, ça demande, bon, ça demande des soins. Bon, voilà. Et lui, donc, on a pensé tout de suite à travers son corps, la légèreté dans laquelle il était, le fait qu'il voyait, enfin, quand il porte l'enfant, il voit même, enfin, il le prend comme ça, il le pose sur sa veste, donc il est quand même délicat, si on peut dire. Il ne met pas vraiment sur le sol, mais quand même, ça, c'est des gestes qui restent un petit peu, si vous voulez, de l'éducation, de la civilisation. Parce que c'est quand même de la civilisation de s'occuper d'un enfant. Même si ça correspond aussi à notre biologie, mais c'est plus que ça. Et à un moment donné, on s'est dit, ben voilà, il faut que il se promène, et c'est, voilà, des idées de scène sont venues comme ça, il se promène avec le landau vide. Comme si... Nous, on sait qu'il est vide, et lui, il se promène. Et l'enfant, son ami a récupéré l'enfant, parce qu'il est allé le racheter après l'avoir vendu, mais on l'a mis en légèreté, comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est pour un adulte? C'est une énigme pour nous, spectateurs et spectatrices, de voir ça. C'est une énigme. Quelqu'un qui vend son enfant, qui trouve que, pourquoi pas, comme il dit à sa copine, bon, on en fera un autre. Oui. Oui, il dit ça, et c'est quelque part, il y a une logique très cynique, enfin, une logique très, de quelqu'un qui n'est pas là. Il n'est pas là pour les autres. Qui n'arrive pas à envisager l'autre, enfin, qui n'arrive pas à envisager son enfant. Là, voilà, voilà. Et son ami qui souffre. Il dit, mais non, t'inquiète pas. Il est sincère, si je puis dire, dans sa folie, dans son délire, dans son absence de... Il est coupé d'une certaine réalité. Et puis, bon... On le fait aller chez sa mère, et bon, voilà, c'est aussi lié à ça, à son histoire. Et alors, vous parliez de cette scène où il porte le corps et qu'on éprouve, nous, spectateurs, le poids de ce corps dans ses bras. Vous avez des réflexions là-dessus dans ce tome de Au dos de nos images, où vous dites, mais finalement, ce qu'on cherche, nous, toujours, c'est qu'à un moment... sans nous le dire, d'ailleurs, Jean-Pierre et moi, mais à un moment, il faut que le corps ait été éprouvé, qu'il soit épuisé, pour qu'enfin on atteigne cet état où, en fait, on rend les armes. Oui. Et là, peut apparaître sur le visage, oui, quelque chose qui est de l'ordre d'un abandon ou une vérité ou un salut, peut-être, oui, si vous m'autorisez le terme, peut apparaître. Oui, c'est-à-dire, oui, il faut... Le personnage est endurci. Si on prend dans le silence de Lorna, Lorna est une fille endurcie. Et il va falloir qu'en vivant avec ce toxicomane pour un mariage blanc, pour avoir ses papiers, ce toxicomane, elle sait qu'il est condamné à mourir, qu'il va être assassiné, en fait. Elle le sait. Et c'est pas qu'elle va l'assassiner, mais elle sait l'intrigue dans laquelle il est pris et auquel elle participe aussi en vivant avec lui pour avoir des papiers. Et à un moment donné... Comment elle va, si je puis dire, ouvrir les portes? Comment, enfin, c'est pas elle qui va les ouvrir, elles vont s'ouvrir grâce à l'autre, à autrui, justement, grâce à Jérémy. Et encore, c'est lui encore qui va d'abord violemment en lui demandant de l'aider, et puis après, c'est elle qui va aller vers lui. Bon, voilà, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Ouais. Et comment dire, c'est
ce qui se passe entre deux corps, à quelques moments que ce soit, quand ils font, parce qu'ils font l'amour aussi dans le film, quand ils font l'amour, si je puis dire, quand ils font la haine, quand, ça, quand ils se séparent, c'est de les filmer en les observant, c'est-à-dire de. Moi, c'est ça qui est mystérieux, qui est énigmatique. Mais et ça l'a été le plus pour moi dans le film Le Fils. Parce que quand Olivier Gourmet, bon, Le Fils, en deux mots, c'est encore une histoire de meurtre, là. C'est le gamin a tué le fils d'Olivier il y a 5 ans, quand il avait 11-12 ans. Et son gamin avait 5 ans, le gamin d'Olivier. Et Olivier, il est professeur dans un centre de réinsertion sociale. Il fait la menuiserie. Et il reçoit un enfant, un gamin, plutôt, il a 16 ans, là. Il n'est plus un enfant, un adolescent. Et il se rend compte, je passe les détails, que c'est l'assassin de son fils. Normalement, il ne peut pas s'en occuper. Il doit dire, je ne m'occupe pas de ce garçon que la justice envoie dans le sang. Mais il ne le dit pas. Il donne son accord. Bon, personne ne peut savoir. Et à un moment donné, nous, le film, c'est quoi? C'est pour ça qu'on l'a fait menuisier. C'est à quelle distance il pourra se tenir du corps de celui qui a. Est-ce qu'il va le tuer, l'étrangler, ou bien est-ce qu'il va l'embrasser, si je puis dire, lui dire, bon ben, voilà, pardon, je te pardonne. Si le gamin le demande, ce qu'il ne demande pas. Mais c'est ça. Est-ce que il va aller contre? Est-ce qu'il peut toucher ce garçon? Est-ce qu'il peut lui le prendre dans sa voiture, par exemple? C'est un moment. Alors, nous, on réfléchit les scènes comme ça. On dit d'abord, ils sont très loin, et puis on va les rapprocher dans la voiture. Donc, quand on le fait entrer quand il s'assied dans la voiture à côté d'Olivier, ben, nous, on est au courant. On sait que lui, le gamin, ne sait pas qu'Olivier est le père de l'enfant qu'il a tué quand il avait 11 ans. Mais Olivier le sait, et nous aussi. Donc, il se met à côté dans la voiture. Est-ce qu'Olivier va lui serrer la main quand il va se lever pour rentrer chez lui? Ben, non. Le gamin ne comprend pas. Il dit, bon, il est bizarre, ce type. Il ne veut pas me serrer la main, mais bon. Et puis, voilà, on avance comme ça jusqu'au moment où il va vouloir le tuer. Et puis, il ne va pas le faire. Et le gamin, il va lui dire, bon, en gros, le film, c'est que ta vie continue. Je t'apprends le métier, que ta vie continue. Bon, ça ne veut pas dire pardon, mais ça veut dire que... On sort de la vengeance. C'est ça qu'on a voulu montrer. Mais ça, c'est les corps. Et le menuisier qui mesure, parce qu'à un moment donné, le gamin va mesurer, il apprend à mesurer avec le double mètre, et le gamin dira... parce qu'Olivier, on s'est un peu inspiré aussi en cinéma, vous avez ce qu'on appelle le pointeur, celui qui calcule la distance de l'objet, du corps, par rapport à la caméra, pour qu'il soit net. Donc on change un peu la distance, la profondeur de champ, etc., l'éclairage, tout ça est lié, mais voilà, il y a un pointeur. Et le pointeur, il y a des pointeurs qui ils mesurent à peine, tac, ils ont compris tout de suite à quelle distance. Et nous, la première fois, on avait été surpris. Et le menuisier, c'est la même chose. Olivier, il dit 2,3 m. Et le gamin dit 2,3 m ou 2,5 m. Vous êtes fort, lui dit-il. Et les corps se rapprochent, et puis s'éloignent. C'est ça qui nous intéresse. Et le spectateur projette, évidemment, projette de la violence, il va le tuer, ou projette une possibilité de l'accepter. Si pas de lui pardonner, en tous les cas, de le laisser vivre. Merci beaucoup, Luc Dardenne, infiniment pour cet entretien. Il y aurait tant d'autres axes à développer ensemble, oui. mais nous aurons l'occasion pour la sortie du tome 4, j'imagine, dans quelques années. Merci beaucoup. Oui.